décision de nous voir depuis un certain temps déjà. Mais comme on dit, il y a quelques changements d'heure et temps. Il faudra faire réfléchir plus d'un chef de parti. Et même ceux qui hésitaient, ils vont bien sûr nous rejoindre. Le 11 octobre se tiendront les élections présidentielles et législatives. D'ici là, la commission électorale procédera à une révision exceptionnelle de la route électorale pour permettre de nouvelles inscriptions. Le Burkina politique est déjà à l'heure de la campagne électorale. Meetings et assemblées générales rythment la vie dans beaucoup de régions du pays. Ouagadougou, Yacouba Ouédraogo, BBC Afrique. Le scandale de fraude fiscale dans la filiale suisse de la banque HSBC touche des Maliens pour une somme globale de plus de 60 milliards de francs CFA. C'est ce qu'affirme l'association IRM Molotov. L'association vient de recueillir le nombre de signatures requises. Sa pétition, lancée la semaine dernière, demande que la liste de ceux des Maliens impliqués soit publiée au nom de la lutte contre l'évasion fiscale. Ainsi est constatée. Nous écoutons son président, Boubacar Bouré, au micro dans le Diawara. La pétition, c'est de révéler les noms des Maliens qui auraient détourné les derniers produits.